Je viens d'écouter sur France Culture l'émission Réplique avec Alain Finkielkraut, Jacques Julliard et Pascal Piner. Et il y a un point aveugle dans leur discussion, c'est la notion de pouvoir. À aucun moment ils n'ont défini ce qu'on entendait par le pouvoir. Où ils en sont restés à des représentations, disons, comment dirais-je, sémantico-populaires, le pouvoir, tout le monde sait ce que c'est, donc on ne le définit pas. Sorte de consensus, comme ça. En réalité, il importe, dans ce genre de débat, de redéfinir les termes. Le pouvoir, ça s'exerce, le pouvoir. Par exemple, la plupart des personnes sont l'objet de l'exercice du pouvoir. Quelqu'un qui est recruté entre dans l'exercice du pouvoir. Le pouvoir l'a recruté. Le chef est celui qui exerce son pouvoir. Celui qui n'exerce pas son pouvoir n'a pas de pouvoir. Ou du moins, c'est un pouvoir virtuel. Il pourrait avoir du pouvoir, il pourrait exercer son pouvoir, mais il ne le fait pas. Pour quelle raison ? Notre affaire. Le ministre qui a du pouvoir tient son pouvoir de celui qui l'a nommé ministre. Le professeur qui a un poste tient son pouvoir de ceux qui l'ont nommé à ce poste. Le pouvoir n'est pas forcément celui d'un individu, ça peut être aussi celui d'un collectif. Le pouvoir du peuple permet d'élire et de constituer un président qui lui-même exercera son pouvoir. Bon, je pense que là, on ne s'éloigne pas trop de Rousseau. Le pouvoir, les démocraties accordent un pouvoir exorbitant, d'une certaine manière, aux électeurs, qui vont conférer du pouvoir au nom de leur pouvoir à eux, à ces électeurs. Et celui qui aura reçu ce pouvoir conférera du pouvoir à d'autres. Il y a ainsi comme ça une chaîne de pouvoir. Que ce pouvoir soit associé à de l'argent ou pas, comme c'était le thème de l'émission de Finkielkraut, est assez secondaire. Quelque part. D'une certaine manière, la société ne peut fonctionner que par délégation du pouvoir. Et l'exercice du pouvoir, c'est le délégué. Celui qui refuse de déléguer son pouvoir, et qui en outre refuse d'être l'objet d'un pouvoir qui lui aurait donné son statut, c'est ça qui est intéressant. Qui est-ce qui peut dire qu'il est libre de toute forme de pouvoir, aussi bien dans son exercice, enfin, de toute façon, il n'est pas. Qui est-ce qui peut dire qu'il est libre de l'exercice du pouvoir, soit qu'il l'exerce, soit qu'on l'exerce à son endroit, sinon à son encontre. D'une certaine façon, on pourrait parler d'une philosophie qui serait assez proche de celle d'Épictète et de son manuel, qui refuse toute forme d'exercice du pouvoir, aussi bien pour en profiter que pour en faire profiter autrui. Parce que quelque part, quand je délègue mon pouvoir, j'en fais profiter autrui. Celui qui ne dépend pas
de ses électeurs, qui ne dépend pas d'un conseil d'administration, qui ne dépend pas de je ne sais quel collège exerçant un certain type de pouvoir, et celui qui ne délègue pas non plus son pouvoir, est-ce que ce n'est pas cela l'homme libre? C'est-à-dire quelqu'un qui ne passe pas de la puissance à l'acte, puisqu'il n'exerce pas, c'est-à-dire que ça reste une potentialité, une virtualité. Il a un pouvoir qui ne lui est pas donné par autrui et qu'il n'entend pas exercer, il n'entend pas déléguer. Est-ce que c'est possible? Voilà la question que je pose. Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est souhaitable? Bon, déjà, on peut dire que toute personne qui travaille est employée, que ce soit un avocat, un médecin, un psychologue, ou je ne sais quel ouvrier, il est employé par un employeur. Un employeur, c'est-à-dire quelqu'un qui, justement, va déléguer son pouvoir, va lui demander de faire telle et telle chose à sa place. Ça ne change rien qu'on soit en profession libérale ou en tant que salarié. Aucune différence. Celui qui écrit un livre et dont les idées vont influer d'autres personnes, exerce-t-il un pouvoir? En effet, pourquoi pas? Du moment que je fais travailler l'autre, que je l'emploie, même si je ne le fais que par l'intermédiaire de mes œuvres, et non pas dans un rapport de personne à personne, exerce du pouvoir. Celui qui n'a rien à donner à autrui, rien à donner qui puisse le faire travailler, qui puisse l'employer, n'exerce pas de pouvoir. Le chef d'entreprise n'exerce le pouvoir que s'il emploie des gens. Et donc s'il délègue. Par exemple, les vigies, parce que nous sommes vivants dans une société à Paris où on voit des vigies à tous les coins de rue, exercent un pouvoir qu'on leur a conféré. Un pouvoir qu'ils exercent sur les gens, le public, les clients qui rentrent ou qui sortent. Qui rentrent ou qui sortent, ou l'ambiguïté de leur statut. On peut parler d'un abus de pouvoir, de toute façon. On peut aussi exercer un pouvoir par sa beauté, par son allure. On peut servir de modèle, servir de référence, ou simplement fasciner. Le simple fait d'exister, quelque part, peut donner du pouvoir. Mais alors donc là, on a un problème, parce que celui qui n'exercerait aucun pouvoir de fascination, il n'intéresserait personne, il serait un bien piètre personnage, de toute façon. Mais en même temps, peut-on dire que le fait de ne pas employer quelqu'un et de ne pas être employé par quelqu'un, c'est quand même quelque chose qui montre qu'on échappe jusqu'à un certain point au pouvoir. Donc il y a plusieurs niveaux de pouvoir, plus ou moins grossiers. Et donc je voudrais m'en tenir à ces définitions premières. Que la plupart des gens qui travaillent, de toute façon,
exercent un pouvoir et sont l'objet de l'exercice d'un pouvoir. Ça peut être le pouvoir de l'argent. Quelqu'un qui va voir un psychanalyste, il donne du pouvoir, il exerce son pouvoir en payant le psychanalyste. Le psychanalyste est employé par ce client, par ce patient. Et ce psychanalyste pourra exercer du pouvoir en prenant un personnel de maison ou même en allant lui-même, par exemple, au restaurant. Là, il paye. Et de ce fait-là, il emploie les gens. Le client est aussi un employeur. L'employeur, c'est celui qui dirige le restaurant, mais tout client est aussi un employeur de l'employeur. Il y a une chaîne comme ça des employeurs dont on n'a pas forcément pris pleinement conscience. Celui qui utilise des machines, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les machines qui lui donnent du pouvoir. Et ce sont ces machines qui vont lui permettre d'exercer ce pouvoir. Mais ces machines, on leur a donné du pouvoir. On les aura fabriquées par délégation, pour nous suppléer, pour nous remplacer. Autrement dit, et je terminerai là-dessus, une société ne peut pas fonctionner sans que l'on fasse travailler autrui. Et faire travailler autrui, aussi bien matériellement que psychiquement que mentalement, un livre peut faire travailler quelqu'un dans sa pensée, dans sa réflexion. On se retrouve dans un schéma qui est tout simplement réductible à l'homme qui procrée, qui fait travailler la femme avec laquelle il a eu un rapport sexuel complet. Là aussi, la femme qui fait des enfants, elle ne le fait que du fait que l'homme a exercé son pouvoir sur elle et qu'il lui a donné un enfant à faire. Même si ensuite, évidemment, elle exercera son pouvoir en tant que mère de famille, etc.